Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Mercredi 15 novembre 2023, Moïse Christophe, jeune de Goma, l'un des Wazalendo, il faut ajouter ça aussi. Oui, absolument. Vous savez, aujourd'hui, il faut être appelé Mouzalendo. Union sacrée, IDPS, Birek, opposition, la Moukaou. Non, nous, on est activistes. Vous sommes au côté. Vous avez l'un de vous qui a postulé. Ah non. Vous savez, dès lors que vous embrassez la carrière politique, vous cessez d'être membre de la société civile et de ce quoi des mouvements citoyens. Ça, vous avez adhéré dans une autre sphère. On va revenir sur ce sujet vers la fin de l'entretien, on va d'abord actualité. Merci. Parce qu'il faut savoir, on va analyser quelle chance pour votre candidat, je ne sais pas, votre ancien collègue, n'est-ce pas? Merci. Monsieur Anzulu Nifloribert. Voilà. Alors, tout va bien, monsieur Christophe? Oui, bon, à part la situation sécuritaire qui continue à nous inquiéter. Mais par rapport à la santé, nous pouvons glorifier le Seigneur. On commence par le discours du chef de l'État. Il a ramassé tous les aspects politiques, économie, sécurité, infrastructure, éducation, santé, pour ne citer que cela. Mais on va beaucoup plus analyser la situation sécuritaire. Parce que tu sais que dit, encore une fois de plus, pointer du doigt les Rwandais, ainsi que certains multinationaux, de vouloir créer le chaos dans l'est du Congo. Christophe, quelle analyse par rapport au discours du chef de l'État? En tout cas, moi, je pense que c'est d'abord de la routine auprès du chef de l'État. Ça devrait se faire en décembre, mais au vu des élections qui pointent à l'horizon, en tout cas, cela lui a permis de rapprocher d'abord le temps en novembre, qu'il fasse son dernier discours absolument comme président de la République, parce que bientôt, il va compétir comme tous les autres candidats avec les mêmes égalité des chances pour ne pas influencer soit les institutions de la République ou les moyens de l'État. En tout cas, je pense, comme tous les autres analystes, que c'est le dernier discours. S'il aura encore à convaincre les Congolais aux prochaines élections, on pourrait l'accorder encore les seconds mandats et les derniers. Mais jusqu'à preuve du contraire, il jouit encore de la qualité du président de la République, et c'est ce qui lui a valu à tenir les discours sur l'état de la nation. Certainement, il a touché plusieurs points à la fois, mais vous nous aviez convié à parler uniquement sur la ligne sécuritaire à laquelle il s'est beaucoup concentré. Et nous savons que nous sommes dans une période exceptionnelle, d'abord dans la province du Nord Kivu, où nous avons plusieurs territoires qui sont occupés. Nous avons également en face d'une agression rwandaise et ougandaise, et nous sommes également en face de plusieurs forces armées qui sont présentes sur notre sol, y compris la MONUSCO, qui compte une soixantaine des États ici au pays. Nous avons également la force de l'Eastern Africa Community, l'EAC, qui est présente ici. Nous avons des mercenaires, nous avons, et nous sommes sous état de siège. Donc nous sommes la province la plus militarisée. Et voilà, ça valait la peine qu'on discute, que le président tienne son discours sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est en général, et particulièrement au Nord Kivu et à Ituri. S'il faut parler de l'état de siège, on aurait aussi qu'il faut, on a suivi le chef de l'État, il a dit clairement comment grâce à l'état de siège on a vraiment arrêté ou alors on a limité les fraudes minières qui sévissaient aux années passées, mais grâce à l'état de siège quand même on a réussi quand même à stopper ou à limiter cette fraude. Pour vous, ça vous dit quoi? Bon, moi, ce que je peux dire, je ne débat pas cette émission comme un militant ou comme un membre de l'opposition ou de la majorité. Je le fais comme un citoyen, un activiste qui a toute sa liberté d'esprit, mais également l'esprit critique et le sens d'analyse pour évaluer et essayer un peu de commenter autour du discours du président de la République. Mais si nous pouvons revenir sur l'état de siège, il est à souligner que l'état de siège n'avait pas uniquement pour mission de venir arrêter la fraude minière, mais également les trafics de minerais et ainsi de suite. Mais il avait vraiment
un grand objectif, c'est celui de maintenir la paix et la sécurité. Et les autres secteurs, effectivement, pouvaient bénéficier de ces régimes spéciaux. C'est peut-être le cas dans lequel il est agi. Et j'ai vu même d'autres membres de la famille présidentielle du président de la République dire que non, grâce à l'état de siège, on est en train de réussir à mobiliser les ressources financières. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est ça vraiment les besoins réels et ressentis ou demandés par la population? Au-delà du problème, au fait, les problèmes structurels, mais il y a eu également des problèmes techniques et stratégiques d'avoir maintenu l'état de siège. Parce que vous savez, légalement, l'état de siège ne devait pas durer tout le temps qu'il a pu durer, mais comme on est dans un régime spécial, à un certain moment, les lois du pays semblent être négligées. Mais l'objectif pour la population n'est pas forcément le respect des lois. L'objectif pour la population, c'est de répondre efficacement à leurs besoins. Pour le cas de fraude minière, comme le président l'a soulevé, il a réussi à dire que non, ça a freiné la fraude et le trafic minier. Mais on ne nous dit pas à quelle hauteur nous avons les pays à bénéficier pour quel montant ou quel degré d'exploitation minière nous avons acquis, que ce soit auprès des investisseurs, c'est-à-dire l'exportation des minéraux ou le transit des minéraux vers les pays étrangers ou vers les grands marchés miniers, combien nous avons gagné comme République en termes de budget, en termes d'amélioration des conditions de vie, en termes, par exemple, de réponse aux problèmes sécuritaires, aux problèmes liés aux logistiques, combien cette limite de la fraude a fait entrer dans la caisse de l'État. Parce que c'est bien de dire qu'on a arrêté la fraude, mais à quelle hauteur? Qu'est-ce que le pays a gagné en termes d'exploitation minière? Combien de tonnes nous avons pu enregistrer, nous avons pu mettre dans les dépôts et cela nous a amené combien d'argent? Au niveau des recettes de l'État, on ne nous a pas dit que le Nord Kivu, grâce à l'état de siège, a été la 40e province à mobiliser les ressources qui contribuent au budget national. Donc ça, ce sont en fait des analyses un peu plus objectives qui nous permettent, qui devraient nous permettre ou permettre au chef de l'État d'éclairer la lanterne de la population du Nord Kivu, parce que nous, effectivement, notre attente, c'est la sécurité. Et si et seulement si cette sécurité ne serait pas encore établie, en tout cas, on ne sera pas d'accord de véritables résultats qui produiraient l'état de siège. D'accord. Alors, on revient sur la situation de sécurité parce que nous avons appris qu'il y a eu reprise des affrontements ce matin. D'abord, on commence par il faut dire la plus haut ou la réoccupation encore des Kishishe par les rebelles du M23. Depuis hier, nous l'avons appris, plusieurs sources ont confirmé cette information. Kishishe, qui est considéré comme une localité martyre où plus de 200 personnes ont été tuées l'année dernière. Encore une fois de plus, les M23 ont pris cette localité. Comment comprendre cela? Parce que cette prise intervient quelques jours après l'alerte de la société civile qui a alerté, il faut dire comme ça, les renforts bénéficiés par l'M23 de la part des militaires ougandais, rwandais et sud-soudanais d'aller au jour. C'est là qu'il y a la complicité, même, je dirais, la naïveté de nos autorités vis-à-vis de la gestion de cette guerre. Parce qu'au même moment que nous avons des partenaires de l'EAC, nous avons les partenaires de la MONUSCO, mais comment ça fait-il que les M23 pouvaient encore continuer à reconquérir des territoires dans lesquels il y a la présence, effectivement, de l'EAC, il y a la présence de la MONUSCO, au lieu, et ils nous ont dit qu'ils faciliteraient à ce que toutes les zones dans lesquelles les M23 avaient déjà conquises, il ne devait plus être des zones de combat. Ça ne devait plus être des zones sous tension parce qu'il y a des populations qui vivent là-bas, qui ont droit à la vie, qui ont droit à la dignité, qui ont également droit à la liberté et à la sécurité. Mais ce sont eux qui sont présentes dans de telles zones. Pourquoi aujourd'hui la MONUSCO, qui s'est montré un partenaire fiable pour la RDC dans ces dernières heures qui lui restent, parce que bientôt là, ils doivent emballer leurs valises et partir, pourquoi pour ces dernières minutes qui les restent, ils ne peuvent pas vraiment montrer leur... qu'ils ne peuvent pas nous aider avec leurs renforts
pour sécuriser les populations de Bambu, sécuriser les populations de Kichanga, de Kiwanja, de Kishishe et de partout là où il y a la présence des M23. Ça, c'est dit notre part. De l'autre côté, est-ce que nous allons continuer éternellement à respecter les cessez-le-feu alors que nos populations continuent à être martyrisées au niveau de Rutshuru et au niveau de Masisi? Donc la reconquête de l'armée rwandaise à Kishishe ne nous surprend pas parce que c'est dans leur sale besogne qu'ils ont toujours tenté d'infliger et de violer les droits humains vis-à-vis de cette population. Et moi, je pense que tôt ou tard, Kagame finira par répondre de tous les crimes qu'il est en train de commettre au Congo. Et ça sera impitoyable pour lui parce qu'il devrait être traité comme Adolf Hitler. Et Pesa Tshisekedi attendit en tout cas ce jeudi à ETB. Là, nous sommes à l'Ouganda. Voilà. Et aussi, il ira à Nairobi, au Kenya, pour des rencontres en tête à tête avec ses homologues ougandais, Yoweri Museveni, et Kenya, William Ruto, selon des sources contactées par plusieurs médias à Kinshasa. Il faut dire que lors, en tout cas, de ces jours, de ces échanges, n'a pas en tout cas été divulgué, mais les sources indiquent que les discussions porteront probablement sur les relations bilatérales, mettant l'accent sur les questions sécuritaires dans l'est du Congo. Voilà. Bon, pour discuter autour de cette question, je dois préciser d'abord que le président de la République devrait également bénéficier de visiter les quartiers généraux régional de la MONUSCO qui est basé en Ouganda. Peut-être les gens ne le savaient pas. Le bureau régional de la MONUSCO se retrouve en Ouganda. Et le président, effectivement, il devra tirer la sonnette d'alarme parce que l'Ouganda, aujourd'hui, fait partie des pays agresseurs, bien qu'il n'est pas un peu plus actif sur le plan militaire dans la zone, mais c'est un pays qui appuie, qui ravitaille les terroristes rwandais du M23 qui sont actifs dans la zone de Rutshuru et de Masisi. Et du coup, il faut vraiment faire très attention quand on est entré en collaboration ou quand on veut signer des accords bilatéraux avec le Rwanda et l'Ouganda, parce que ce sont des pays qui nous ont toujours poignardés dans les dos et le président de la République devrait être vigilant. D'ailleurs, pour ma part, j'ai sollicité qu'il puisse même boycotter de telles assises et d'y envoyer ses émissaires, parce que lui, aujourd'hui, il a au moins une bonne posture vis-à-vis de la population. En tout cas, continuer à se greffer encore autour de Kagame, de Museveni, de Ruto, en tout cas, cela serait encore en train de ternir son image, parce que nous savons que ce sont des gens qui sont en train de nous imposer, par exemple pour le cas du Kenya, à travers William Ruto et Kenyatta, ils tentent de nous imposer le respect au fait des accords, d'une part comme gouvernement, mais ils n'ont jamais été capables d'imposer à l'air les amis du M23 à respecter. Comment on peut imposer à tout un État à discuter avec un groupe terroriste que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien? Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont des intérêts indirects dans cette guerre et nous ne savons pas en quoi est-ce que d'ailleurs les Kenyans nous aident. Aujourd'hui, moi je trouve que il n'y a plus d'importance d'appartenir à l'EAC, parce qu'au même titre que nous sommes dans l'EAC, au même moment nous avons des opérations où des accords bilatéraux militaires avec l'Ouganda, ça je pense que vous le connaissez, nous sommes en mutualisation des forces militaires avec l'Ouganda dans la partie nord de la province du Nord Kivu, nous sommes en mutualisation des forces avec l'armée burundaise dans les Masisi ici et dans les sites Kivu, et puis ces pays-là appartiennent encore à l'EAC. Donc, à part les Kenyans qui, je ne vois même plus la raison de sa présence ici, l'Ouganda qui, à un certain moment, on est en accord bilatéral de mutualisation des forces avec et contre les ADF, au même moment, ils nous poignardent les dos vers Bunagana, ici dans les Rutshuru, et on ne sait pas vraiment que si l'Ouganda joue à quel jeu. Donc, c'est le moment pour nous de rompre toutes les relations diplomatiques, mais également économiques, que ce soit avec l'Ouganda, les Kenyans et le Rwanda, et nous laisser effectivement peut-être avec le Burundi qui semble avoir une bonne foi de nous apporter la paix et la sécurité. Et comme la SADC est en cours, et la force de la SADC est en cours en train de venir, composée des Angolais, je crois des Tanzaniens, mais également des Zimbabwéens, en tout cas c'est cette peut-être nouvelle force qui aiderait les forces armées à bouter hors d'état de nuire, maintenir la paix et la sécurité, mais également et surtout savoir comment consolider l'intégrité de notre territoire
assurer la défense et que pour que cette guerre ne revienne plus jamais. Parce que là, vraiment, on est à la dernière page de la guerre et comme Mouzé l'avait dit, que cette guerre ne finira que de là où elle était venue. Ne pensez-vous que ça sera possible parce que là où elle est venue, elle ne se passe pas là, ça se passe que c'est sur le sol congolais. Mais je vous dis que la guerre sera longue et très populaire, mais la victoire appartiendra toujours à ceux qui ont raison. Nous sommes agressés, nous sommes dans tous les droits de faire ce qu'on appelle la légitime défense. Et moi, je pense que Dieu est du côté des Congolais parce que, en dépit de toutes les guerres que nous avions déjà connues, si Dieu n'était pas du côté congolais, en tout cas, notre pays serait déjà balkanisé. Vous imaginez les RCD qui nous avaient assiégés ici pendant autant d'années, venir avec l'AFDEL, les CNDP, c'est-à-dire tous ces scénarios, tellement qu'il n'y a pas la bénédiction de Dieu dans leur camp, en tout cas, ils ne peuvent pas réussir. Et aujourd'hui, non seulement les Congolais sont en train de prendre conscience, mais également l'esprit patriotique continue à nous animer. Vous avez vu autant de jeunes aujourd'hui qui sont sur la ligne de front qu'on appelle les Wazalendu. Vous avez autant de jeunes qui ont adhéré massivement dans l'armée. Et vous avez aujourd'hui des étudiants effectivement qui se disent nous sommes prêts à abandonner les auditoires pour aller faire les formations de quelques années et revenir comme des réservistes. Et à tout moment où il y aura des petites menaces ou des agressions, nous sommes prêts à infliger ou à faire ce qu'on appelle les principes de réciprocité pour que les ennemis comprennent que ce pays n'est plus un pays avec lequel on pourrait blaguer à tout moment qu'on le voudra. Et ici, je le précise, que Kagame joue ses dernières cartes. Si ceci échoue, en tout cas, ça sera sa fin. Et même ceux qui le soutiennent vont se dire jusqu'à quand nous continuerons à investir dans cette guerre avec cet homme qui est incapable de gagner les guerres. Parce qu'aujourd'hui, eux aussi n'ont pas l'argent à jeter. Ils ont pillé les minéraux et consorts. Aujourd'hui, tout est freiné. Les Congolais sont maintenant vigilants. La manipulation de l'opinion, la manipulation médiatique et toutes les mauvaises campagnes contre le Congo tombent en vain. Nous sommes en train de trouver les preuves par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par rapport à ce qui se passe en Israël. Donc, le monde aujourd'hui, ces grandes puissances et ces multinationales n'utilisent que ce qu'on appelle l'hypocrisie organisationnelle. Donc, lorsqu'il s'agit du Congo, ils ont une position. Lorsqu'il s'agit des autres États, ils ont une autre position. Mais qu'est-ce qui leur coûte pour infliger des sanctions économiques à Kagame? Qu'est-ce qui leur coûte pour infliger des sanctions politiques et diplomatiques à Kagame? Ça ne leur coûte rien. Mais comme c'est leur marionnette qu'ils ont fabriquée pendant autant d'années, ils l'ont utilisée pendant beaucoup d'années, mais face à la résistance et à la résilience du peuple congolais, en tout cas, toutes les cartes sont tombées et le tout-puissant Dieu des armées, nous sommes avec eux, aux côtés des FRDC, des jeunes patriotes, la dénonciation du peuple congolais, ensemble réunis et mobilisés autour de nos institutions. Nous sommes en train de dire non à la communauté internationale, non à l'agression rwandaise, non à toutes les personnes et les États qui peuvent s'aventurer pour venir infliger encore un nouveau coup dur aux Congolais pour tenter de les diviser, de les séparer. Nous sommes plus que jamais unis et ensemble nous allons gagner cette guerre. Peu importe le temps que cela prendra. Et pensez-vous que, pensez-vous que cette résistance que vous dites prendra longtemps ou bien fera longtemps? La résistance est pour toujours. Nous sommes nés dans la résistance et nous continuerons dans la résistance. C'est peut-être eux qui vont se fatiguer parce qu'aujourd'hui, ils ont à leur 4e ou 5e tentative. Ils sont venus avec l'AFDEL. Nous avons résisté ici. Et ça, vous avez vu, ils ont même manigancé jusqu'à trouver un chef d'état-major général à la tête de cette république. Mais on n'a jamais cédé, on n'a jamais viré vers le Rwanda ni l'Ouganda. Nous sommes Congolais et nous mourons Congolais. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions nous retrouver dans ce territoire de 2 400 km carrés. Et nous allons nous assumer comme tels. On n'ira ni du côté du Rwanda, ni du côté de l'Ouganda, et encore moins du côté des impérialistes pour tenter de dire que non, ce pays il est grand, nous pouvons tenter de les balkaniser. Non, nous sommes soudés, unis. Non, plus de 450 tribus qui sont là, ils sont unis pour les meilleurs et pour les pires. Ça, c'est peut-être une précision détail. Ils sont revenus avec les RCD, ou même pour appeler quelqu'un de Kinshasa, il fallait composer le code du Rwanda. Mais nous avons résisté. Jusqu'à ce qu'on a imposé à ce qu'il y ait un dialogue de cesser les faits qui nous a produit effectivement la constitution de transition de San City avec l'accord global inclusif. On est revenu, ils ont tenté par plusieurs reprises prendre la ville de Bukavu, tenté de rébellion avec les CNDP de Laura Kunda et consorts. On a résisté. Donc pour nous la résistance est toute une vie et on résistera pour toujours, pour décourager
En tout cas, et peut-être ils finiront par collaborer avec nous parce qu'ils vont se dire, ces gens ici, quel que soit le degré de menaces que nous les avons imposées, ils ont résisté, ils méritent aujourd'hui un traitement digne et cela a été prouvé par d'autres États. L'Afghanistan a résisté pendant autant d'années, aujourd'hui c'est un pays respecté. Et nous pensons que nous allons continuer sur cette même lancée. Les Sud-Africains, on les a martyrisés chez eux avec ce qu'on appelait l'apartheid, ils ont résisté, c'est-à-dire nous savons qu'il y a de grands sacrifices en face de nous et nous sommes prêts et nous savons que nous pouvons mourir à tout moment. Mais nous ne céderons même pas un seul centimètre de notre pays. Et ça, nous le jurons au nom de Dieu, au nom de nos ancêtres et au nom de tous ceux qui aiment le Congo. Parce que nous savons que peut-être dans ces pays-là, il y a ceux qui les reprochent, que finalement vous continuerez à vivre et à voir les malheurs des Congolais, des femmes dans des camps de déplacés, des femmes violées. À un certain moment, on a taxé ces pays d'être la capitale mondiale du vol, du viol. Est-ce que vous pensez que ça honore tout un État? Mais grâce à Dieu, grâce à la résistance du peuple congolais, aujourd'hui nous continuons. Le M23 qui a pris Goma, et puis nous avons fait tous les séjours qu'ils ont passés ici. On n'a pas ouvert des écoles, on n'a pas ouvert des marchés, on n'a pas ouvert des boutiques. On a dit, s'il s'agira de mourir, venez nous tuer chez nous, mais nous, on ne va pas obéir aux ordres que vous voulez nous infliger. Surtout que ce sont des mauvaises cartes qui visent à diviser les communautés. Vous venez avec une communauté que vous devez imposer aux autres, et ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Donc, les dialogues que les gens sont en train de réclamer, aujourd'hui, ça n'a plus ce sens d'être. On en avait déjà signé plus d'une quarantaine d'accords, plus d'une quarantaine de négociations, des dialogues, d'ailleurs des cinquantaines, des accords de paix, des accords des opérations à Manileo, plusieurs opérations. Mais on n'a pas encore trouvé la solution. Si aujourd'hui, les M23 demandaient les dialogues, quelles sont les garanties que nous avons? Quelles sont les garanties que nous avons pour nous rassurer que pour cette fois-ci, ça sera la dernière? Donc, comme nous sommes en face des gens qui n'ont jamais été satisfaits, en tout cas, c'est le moment de balayer toutes les autres options et nous focaliser sur la seule option militaire pour Merci. Que nous puissions débouter hors d'état de nuire. Merci beaucoup, Christophe. Si on ne s'acquitte pas, le message aux forces armées de la RDC. En tout cas, pour le moment, ce sont les messages d'unité, les messages d'amour et les messages de mobilisation et de soutien massif au FARDC. Nous continuons d'abord à les remercier pour le travail de Tita qu'ils sont en train de faire, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais ils n'ont jamais cédé. Nos militaires, ils sont les militaires le plus courageux et le plus vaillant du monde. Voyez seulement les conditions dans lesquelles ils évoluent et nous espérons que les institutions doivent les réserver des primes spéciales pour leurs familles, pour leurs enfants. Parce que le travail qu'ils font, ils sont les seuls qui travaillent, qui ont juré d'aller mourir pour le pays. Mais les députés, quand même, les font. Non, je vous dis que les militaires sont les seuls. Quelqu'un qui quitte chez lui, il jure de dire, je vais mourir pour la sécurité de mon pays, verser mon sang, laisser ma femme, mes enfants, ma famille, mes frères et mes amis, j'accepte d'aller mourir pourvu de refuser l'humiliation d'un peuple qui pouvait venir de l'Orient ou de l'Occident pour venir nous imposer, nous exploiter et nous esclavagiser chez nous. Ce sont les seuls qui acceptent. Dites-moi quelle autre institution dans laquelle les gens acceptent d'aller mourir, si ce n'est pas dans l'armée et dans la police. Les autres, ils sont ici, quand il y a la guerre, ils prennent des avions, ils trouvent l'exil, ils commencent à dépêcher leurs enfants et leurs familles. Mais ils vous disent, nous restons ici. Par contre, d'autres plairent même dans des cas de formation pour forcer les forces, les chefs d'état-major et les instructeurs, envoyez-nous au front. Nous avons vraiment besoin d'aller combattre. Voilà les militaires qui méritent beaucoup de traitements, beaucoup d'avantages, plus que les autres membres des institutions. Donc, les forces armées, en tout cas, nous n'avons pas de cadeaux à vous donner. Mais nous n'avons que le soutien et l'amour massif que nous avons envers vous. Et nous pensons que c'est dans cette optique de solidarité, d'amour, de dignité que nous allons consolider ces peuples. Et à tout moment que nous verrons vos enfants, en tout cas, nous ne manquerons pas. D'ailleurs, nous demandons aux institutions d'identifier tous les enfants des militaires et leurs femmes, et leur accorder un traitement spécial. Ils doivent avoir de bonnes écoles, ils doivent avoir des soins de santé, ils doivent vraiment être mis dans de très bonnes conditions parce que leurs maris partent au front pour mourir, en fait de sauver l'État,
Parce que si aujourd'hui, moi et vous, nous sommes ici, nous dormons bien, c'est parce qu'il y a les militaires qui assurent notre sécurité, merci, la merci. sécurité des frontières merci et la sécurité merci de toute l'étendue du territoire. Christophe. Donc, merci en tout cas, cet aspect, c'est un aspect très important pour nos politiciens. Réduisez les traits des institutions des autres secteurs là-bas et focalisez tout l'argent au ministère de la Défense et de la Sécurité nationale. Sinon, en tout cas, les prochaines manifestations seront des manifestations de demander à ce que tous ceux-là qui veulent faire de la politique soient des volontaristes et ceux-là qui iront dans l'armée auront un traitement spécial et nous verrons ceux qui veulent vraiment servir le pays avec dans la volonté et alors que les autres sont en train de gérer d'aller mourir. Merci Donc beaucoup. Voilà un peu les messages de soutien aux FARDC et nous pensons que ce message va arriver au front pour les mobiliser davantage et les motiver pour qu'ils puissent battre l'ennemi jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'en dehors de nos frontières et identifier quelle est la source de ravitaillement de ces ennemis et les couper une bonne fois pour toutes. Mon numéro de téléphone c'est le +243 99 83 35 860. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Merci aux acteurs d'avoir été là. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.